je veux dire que je suis plutôt content. Je suis en train d'arriver sur un petit lieu que je connais pas du tout et en fait que je vais explorer. J'ai pour but de faire un coucher de soleil sur une petite chapelle qui est perchée en haut d'une colline. Encore un des petits bijoux. Alors, j'aurais tendance à dire du Tarn, mais vu que je suis dans la montagne noire, peut-être que je suis pas dans le Tarn. Voilà, puisque la limite, elle est très fine entre les deux. En tout cas, bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Clairement, le fait de faire le tour de cette petite chapelle, c'est plutôt un petit régal. Voilà, elle est très jolie, bien conservée, j'aurais tendance à dire même impeccable. C'est assez inattendu de trouver ce type de choses ici, voilà, sur une butte. Je suis plutôt habitué à trouver des croix religieuses ou ce genre de choses, ou des mini trucs, mais celle-là, vraiment, elle vaut le détour. L'idée, c'est de trouver une espèce de ligne directrice, un premier plan qui permettrait, voilà, de conduire l'œil potentiellement jusqu'à la chapelle et ensuite vers, si possible, une ambiance générale très intéressante. Là, ça va un petit peu dépendre du coucher de soleil. La seconde chose, ça serait potentiellement aussi de trouver une ligne directrice avec la chapelle, voilà, qui nous mène à la chapelle et aussi, ça serait la cerise sur le gâteau, si je me fais des photos d'étoiles, et bien d'avoir vraiment ce chemin qui emmène, voilà, d'un premier plan, on va dire, à la chapelle et ensuite à la Voie lactée qui pourrait être placée juste derrière. Voilà, une fois de plus, la construction, le fantasme, je travaille toujours en ayant des objectifs photos, dans le sens où vraiment je veux aboutir à quelque chose. C'est le principe, je suis là pour construire des images, pas juste pour en faire. C'est clairement, voilà, ce type de choses que je trouve super intéressant, notamment, voilà, dans le premier plan, ces rochers qui sortent de terre avec vraiment le gazon qui est venu, les submerger. Et ça, c'est vraiment très joli parce que d'entrée de jeu, ça fait de très beaux contrastes. Et aussi, ça permet potentiellement d'avoir donc cette fameuse ligne directrice qui va nous emmener le regard jusqu'à la chapelle. Et ça, c'est déjà, ça peut faire un premier angle. En plus, j'ai remarqué au niveau végétation qu'on pourrait très bien avoir ce type de choses, un rocher, un petit arbuste et potentiellement juste le ciel derrière et donc la Voie lactée. Et ça pourrait être aussi intéressant donc pour de futures photos ou peut-être même pour une photo cette nuit. Là, vraiment, pour l'instant, c'est pas que je suis indécis, mais je vais attendre que les choses se mettent en place pour pouvoir les observer, en sachant que j'ai vraiment prévu potentiellement de dormir ici. Donc il n'y a pas de souci au niveau logistique. Voilà, il y a juste à se décider si je le fais ou si je le fais pas. Ça va vraiment dépendre du ciel. Après, c'est comme tout, dans ce que j'ai pu regarder en termes de couverture nuageuse, entre 23h et minuit, ça devrait être complètement dégagé, et ensuite entre 2h et 3h du matin. Ce qui veut dire que c'est pas que la nuit va être courte, mais il va y avoir des réveils successifs qui vont me permettre, voilà, de découvrir et d'observer le ciel, et potentiellement, je l'espère, de faire quelques clichés. Mais par rapport vraiment à l'alternance nuageuse qu'il pourrait y avoir cette nuit, c'est pas sur des conditions pareilles que je vais vraiment pouvoir faire, on va dire, tout ce qui est cercle concentrique ou vraiment mouvement d'étoiles dans le ciel, puisqu'ils vont être masqués à certains moments par rapport au mouvement des nuages ou à l'apparition de nuages. Si vous voulez vraiment faire tout ce qui est cercle concentrique, il faut vraiment une nuit étoilée, sans aucun nuage, parfaitement dégagée. Et généralement, il faut clairement compter presque 5 à 6 heures de prise de vue pour vraiment avoir une sphère complète. Voilà, mais ça, j'en ferai certainement lors d'un prochain vlog. Moi, je vais juste attendre ici que les conditions lumineuses baissent un petit peu, que les choses s'atténuent, voilà, histoire de retrouver une espèce d'uniformité au niveau des contrastes. C'est une fois de plus la golden hour et l'heure bleue qui vont logiquement me donner satisfaction. Donc je suis à peu près à une heure de ça, donc je vais prendre mon temps et je vais profiter aussi de l'environnement et du calme qu'on peut y trouver. Alors là, pour le coup, la lumière devient enfin intéressante. On commence à avoir des ombres qui s'allongent. Et en plus, j'ai bien fait le tour, je dois dire, j'ai pris mon temps. J'ai regardé un petit peu les choses et notamment le premier plan, voilà, le sol, ce qui pouvait être intéressant.
Et les blocs de rochers sont super bien parce que ça permet potentiellement, donc comme je le disais, de conduire le regard vers la chapelle, mais aussi ça permet potentiellement aussi de rééquilibrer l'image si on le souhaite en mettant un petit peu en opposition la chapelle avec des petits blocs de rochers vraiment à l'opposé de l'image. Et ça c'est le petit plus. Clairement, je pense que quand la lumière va devenir intéressante, je vais certainement courir avec mon trépied un petit peu tout autour. Une fois de plus, je vais mettre toutes les chances de mon côté en faisant certainement du bracketing. Le focus taking, ça je commence vraiment à vous en parler régulièrement dans mes vlogs parce que j'insère de plus en plus de premiers plans. Et j'aime vraiment bien quand mon premier plan est excessivement net et aussi que mon sujet derrière est très net. Et ça, c'est vraiment la seule solution si on veut être sûr du résultat. Ensuite, en post-production, en tout cas, si on veut être sûr d'aboutir. Ce qui est assez paradoxal parce que en fait pendant des années j'ai cherché à avoir un objectif très lumineux pour justement faire ce qu'on appelle le bokeh. Je sais pas comment on le prononce, bokeh, bokeh, je ne sais jamais, mais en gros ce flou soit d'arrière-plan soit de premier plan. C'est quelque chose que j'affectionne vraiment quand je fais du reportage de rue, du reportage avec des gens, du portrait, des choses comme ça où j'aime bien interposer entre moi et mon sujet des zones floues qui permettent vraiment de créer des ambiances assez particulières. Mais pour tout ce qui est photos de paysage, eh bien, plus ça va, plus j'adore le fait que tout soit net, soit parfaitement lisible dans mon image. Et donc là, je m'apprête clairement à faire ça. Et tous ces petits blocs rocheux, c'est vraiment du bonheur. Donc là, bah, clairement, je vais arrêter de discuter un petit peu et puis bah, je vais m'activer et faire les photos que je suis venu faire. Parce que là, déjà, ça change puisque déjà le soleil commence à être un petit peu voilé par une petite brume nuageuse, donc ça pourrait être sympa. Le gros avantage aussi qu'il y a dans tout ça, c'est que clairement, on a un arrière-plan qui est excessivement distant, donc très très loin. Donc vraiment, on peut vraiment isoler cette chapelle, soit en redescendant un petit peu grâce au relief qu'on a ici et en faisant vraiment, en mettant la chapelle dans le ciel. Et là, clairement, on a aucun arrière-plan. Et ça, c'est vraiment top parce que vraiment, on est sur une hauteur, voilà, le début de la montagne noire qui permet vraiment de voir tout le plateau, on va dire, du Tarn. Et c'est ça qui est déjà joli, très joli, mais en plus, vraiment, ça permet vraiment de faire ressortir cette chapelle et ça, c'est top. Bon, je vais faire attention à ma lumière parce que moi, je discute et au final, je fais pas les photos que j'ai en tête. Hop, allez. Alors là, ce que je disais, c'est ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a une ligne directrice avec, on va dire, ces premiers rochers là qui sont là, et ça va me permettre vraiment de faire quelque chose d'assez sympa et de venir presque encadrer mon ma chapelle. Hop. Et là, clairement, obligatoirement du focus taking parce que sinon j'aurai jamais ce premier rocher net si je fais ma mise au point sur la chapelle, parce que clairement mon premier plan il est excessivement près. Voilà, beaucoup trop près. J'ai beau être à F8, je pourrais même monter à F16 ou F22, ce qui est clairement une horreur pour ce type de photo. Eh bien, je n'aurai jamais vraiment en une seule prise la netteté que je souhaite. Hop. Alors là, clairement, je suis déjà super content. Et pourtant, on est encore, on est au début de la Golden Hour encore. Et vraiment, je suis super content. J'ai déjà une très belle image. Je vais un petit peu ranger mon matériel parce que tout à l'heure, il va faire nuit. Mais clairement, je vais continuer à naviguer là autour de la chapelle pour tout simplement retrouver des bah, clairement des prises de vue qui sont aussi fortes. Je vous montre le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires un petit peu plus bas. Vous voyez, je suis déjà en train de me mettre à fond sur la photo. Bah, une fois de plus, hein, vous êtes dans le bain, donc allez, on regarde ça ensemble. Alors maintenant, je vais aller voir pour jouer avec vraiment toute cette bande de roches qui mène jusqu'à la chapelle. Après, logiquement, là, si je regarde le ciel, on va avoir vraiment une éclaircie lumineuse qui pourrait être intéressante. Donc là, je vais chercher mon angle et voir ce que ça donne pour préparer et anticiper ça. Hop. C'est en train d'arriver, le soleil est en train de se repointer. Alors là, j'ai multiplié, je vais refaire une photo avant que le soleil se barre. J'ai multiplié vraiment les prises de vue. Je vais me refaire une série en espérant que la lumière reste comme ça. On est vraiment à la Golden Hour.
Ça va être super top. Hop. Je fais à peu près une dizaine de photos, rien que pour finaliser cette photo-là, où j'ai encadré la chapelle dans le couloir là, cette espèce de couloir de rocher, et ça c'est super joli. Je suis tombé dessus, c'est l'avantage. J'adore faire des prises de vue au ras du sol, je trouve que ça amène une certaine dynamique et que ça conduit très très bien l'œil dans l'image. Voilà, hop. C'est juste génial. Là, je vais vraiment favoriser le tout premier plan, vraiment, ce qu'il y a tout en bas de l'image, pour avoir vraiment cette herbe excessivement nette. Voilà, toc. Ah, on est top. On est top, je suis content. Je vous montre un petit peu l'univers. Voilà, l'univers dans lequel je suis en train de faire la photo, comme vous avez pu le voir. Je suis vraiment en train de shooter très très bas. Et c'était cette espèce de couloir qu'on a juste là, en face, qui vraiment donne quelque chose de très intéressant pour nous emmener vraiment le regard jusqu'à la chapelle. Ça fait vraiment une belle perspective. Je vais continuer ma série de photos. Ensuite, l'heure bleue, c'est-à-dire vraiment quand le soleil se sera enfoncé sous l'horizon. Là, on va voir ce que ça donne dans le ciel, si ça crée un beau contraste. Et je suppose un petit peu que ça va être de la pause très très longue, parce qu'en fait, la chapelle, je pense, n'est pas du tout éclairée la nuit, ce qui est pour moi une très bonne chose. Et voilà, allez, je continue. Alors j'adore le principe de faire des vlogs et de partager cet univers-là. Effectivement, j'ai tendance à m'emballer parce que mon principe, c'est de faire de belles photos et de mettre toutes les chances de mon côté. Donc c'est assez difficile de monter un vlog tout en faisant vraiment mon reportage photo. Mais ça m'éclate. Ça m'éclate. Et j'espère vraiment que vous appréciez ce type de choses et surtout que ça vous donne envie de faire la même chose, voilà, de sortir faire des photos et de sortir prendre l'air et de vivre en fait des aventures. Bon alors, il y a un vent mais de folie. Je me dis que ça va me permettre de faire entre guillemets des pauses rapides qui vont ressembler certainement à des pauses longues.